Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est TheSisKarn. On se retrouve aujourd'hui pour le premier gameplay sur ma chaîne sur MW3 après avoir fait ma découverte en Face Commentary. Et que d'ailleurs, j'espère que vous avez regardé mon Face Commentary et que vous l'avez aimé. Et bien sûr, après une découverte, je vais donner mon avis après avoir découvert cet opus. Et ben, dans la découverte, j'avais donné comme premier avis. Que c'était un très bon jeu. Et ben, mon avis est toujours le même, hein. Je trouve toujours cet opus, je trouve toujours très bien. Déjà, je trouve que les serveurs sont vraiment stables. Les sont vraiment pas foutus de gueule, hein. Les pas comme sur Black Ops, comme par exemple, vu qu'au tout début de Black Ops, les serveurs étaient vraiment à chier. Que alors là, non, pas du tout, ils sont vraiment, mais vraiment stables. On a presque tout le temps 4 barres ou 3 barres, et on a presque jamais 2 barres. Quand on a une barre, il y a très souvent une migration d'hôtes. Les migrations d'hôtes s'accomplissent toujours presque, on retourne presque jamais à l'accueil. Là par contre aussi, il y a toujours des connexions interrompues, hein, mais bon, ça c'est normal ça. Mais là en tout cas, ça vous dit pas qu'il y a une connexion interrompue, ça fait directement un écran noir et puis ça vous retourne directement dans l'accueil, donc c'est un peu bête, ça fait un peu comme dans... Un peu comme Code 4 où quand il y avait une migra, quand l'autre mettait fin à la partie, voilà, ça arrêtait directement la partie. Bah là c'est un peu le même style, mais bon là vu que c'est une connexion interrompue, là c'est obligé que ça met fin à la partie, mais bon là ça prévient pas du tout, donc c'est un peu dommage. Mais sinon les serveurs sont vraiment stables. Aussi, alors la deuxième chose que je trouve vraiment bien, c'est le système de Killstreak, le nouveau système, c'est vraiment pas mal. Maintenant on a 3 packs. Il y a le pack assaut, soutien et spécialiste. Alors moi je joue en assaut avec l'hélico A7, la C-130 et le mitrailleur de spray. Que d'ailleurs c'était Slifer qui m'avait donné ce défi d'avoir le mitrailleur de spray. Donc d'ailleurs vous allez voir, hein, dans la partie si je vais réussir à l'avoir ou pas. C'est une petite tentative en gros. Donc je disais que oui, le nouveau système était vraiment pas mal. Surtout pour le pack de soutien. Car comme par exemple, si vous êtes objectif player, bah vous pouvez quand même faire vos séries même si vous mourrez tout ça, car si vous mourrez, bah votre série continue. Si vous, comme par exemple, vous êtes à 3, bah et si vous mourrez, bah votre série sera toujours à 3, donc c'est vraiment pas mal. Comme ça peut vraiment aider votre équipe, car le soutien comme Killstreak, il y a drone brouilleur, drone amélioré qui ressemble au Blackbird, enfin, tout ça quoi, c'est comme c'est du... Enfin voilà, c'est du soutien quoi. Alors que Asso, bah c'est comme ceux d'avant quoi, c'est les mitrailleurs, les prédateurs, les drones, etc. quoi. Donc voilà, ça je trouve vraiment pas mal. Le seul truc que j'ai pas vraiment essayé, c'est le pack spécialiste. Je crois, si j'ai bien compris, ça donne 3 atouts en plus. C'est un peu comme dans le mode à Paris, je crois. Enfin ouais, à Paris là, sur Black Ops. Je crois que c'était jeu d'armes, je crois. Ou quand vous tuez un ennemi, vous gagnez un atout. C'est un peu du même style. Et au total, bah, je crois qu'on peut avoir 6 atouts actifs sur vous, quoi. Donc c'est bien, quoi. Mais bon, je pense que je vais jamais l'utiliser, ça. C'est pas mon truc. Que je préfère faire des bons killstreaks comme la C-130, que d'ailleurs là, je viens de débloquer. Et que je vais utiliser tout de suite, d'ailleurs. Qui est d'ailleurs la 1630 est moins bon qu'un W2, je trouve que le temps est beaucoup est diminué. Là vous restez 30 secondes, 40 secondes que non même pas à peine, hein, alors que sur un W2 vous restez largement plus longtemps. Mais sinon il reste pas mal, hein. Aussi il y a le Reaper aussi qui ressemble un peu à la C-130. Mais sauf que le Reaper a juste ses petits missiles là. Et c'est téléguidé, donc c'est assez pas mal. Mais bon, aussi quand il y a plein de bâtiments, c'est pas très efficace, hein, un peu comme là mon AC-130 est assez efficace, mais pas beaucoup là, vu que 3 ennemis déjà se planquent dans les bâtiments, quoi. Mais bon, c'est normal, hein, moi je ferais la même en tout cas. Mais sinon vraiment pas mal. Aussi les armes sont vraiment bien, à part l'UMP45 bien sûr, encore l'UMP45 ou Infinity Wars. Ou encore entre guillemets cheater cette arme, un peu comme même pas du tout, un peu même complètement comme MW2. Malheureusement, hein, on dirait qu'Infinity Wars s'en fout totalement de nos critiques, ils ont fait qu'à leur tête. Donc c'est vraiment dommage, hein, il fait toujours autant de dégâts en courte portée, en moyenne portée, hein, fait vraiment mal. À part en longue distance où c'est un peu plus dur, vu que maintenant ils ont vraiment forcé sur le recul.
Même d'ailleurs sur toutes les armes, les reculs est vraiment pas mal. Enfin impressionnante, mais... Mais l'UMP est toujours aussi facile à utiliser, quoi, et puis elle fait vraiment mal, donc c'est vraiment dommage. Mais sinon, les autres armes sont vraiment pas mal. Moi, je joue avec l'ACR, par exemple, là, et qui est déjà en or, car maintenant, les camouflages en or sont disponibles sur MW3. Et il y a aussi des niveaux, aussi, sur les armes. Les niveaux, bah, ça débloque les accessoires, ou bien les atouts et tout ça, vu que maintenant, les armes peuvent avoir des atouts, comme par exemple, deux accessoires, qui est comme Bling Bling, ou bien Impact, qui est comme Force d'Opposition, etc., quoi. Et moi, je joue avec... Là, tous deux accessoires avec viseur laser plus silencieux qui est vraiment pas mal, hein, je vous le conseille. Et d'ailleurs, moi, la CR, j'ai tout de suite accroché. J'avais déjà bien apprécié la CR de MW2, mais là, celui-ci, je l'accroche vraiment. Et voilà, donc d'ailleurs, je viens de faire mon hélico de spray, mon mitrailleur de spray qui était vraiment monstrueux. Je le trouve vraiment monstrueux. Hein. Bon, dommage, là, je suis mort à cause d'un bombardement. Mais oui, le mitrailleur de spray, je le trouve vraiment monstrueux. C'est comme le Apache dans MW2, mais sauf qu'il dure deux fois plus longtemps. Et les dégâts sont vraiment les mêmes, et les balles sont vraiment puissantes. Mais c'est surtout le délai. Le délai est vraiment impressionnant, quoi. Vous restez d'environ une minute dedans. Et c'est vraiment pas mal. Donc alors, voilà, le gameplay se termine. Je fais 1.32. Je suis en mode studio, ça par contre, on peut pas regarder le score pendant la partie. Ça, c'est le seul point faible, mais sauf... On peut voir les kill cam. Et sinon voilà, on voit le kill final de Carson, que d'ailleurs je fais un petit coucou à toi et puis aux membres de la team. Et sinon, j'espère que vous avez aimé le gameplay. Mettez un petit pouce vert, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine et bon jeu à vous. Bye les amis.